Bonjour les amis, bonjour tout le monde, c'est Mehdi. Eh bien, figurez-vous qu'on est aujourd'hui le 24 décembre, donc c'est le réveillon de Noël. Je suis sûre que vous allez être dans les préparatifs, mais j'espère que vous prendrez le temps de regarder cette petite vidéo faite spécialement pour vous. Comme vous le voyez ici, j'ai trois bougies avec deux cartes, donc on va faire un petit truc sympa entre nous, voilà. Donc pour voir un petit peu la surprise ou l'événement important qui va arriver pour vous. Entre, mettons, la fin d'année et puis début janvier, eh bien, je vais vous demander de choisir un des trois teints. Donc ça, c'est la première chose que vous allez faire. Et puis ensuite, eh bien, j'ai une annonce pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin, hein, c'est juste une petite vidéo. Alors, les personnes qui ont choisi la bougie blanche, alors je n'ai pas allumé les bougies pour éviter d'avoir trop de lumière sur la vidéo et puis peut-être aussi de cramer mes cartes, hein, donc... Ceci explique cela. Alors, on va retourner pour les gens donc qui ont choisi la bougie blanche. Donc, il y a des histoires d'animaux. Alors, des chats. Alors, peut-être pas que. En tout cas, cette fin d'année sera marquée par les animaux autour de vous. Voilà. Alors, soit que vous alliez les nourrir, soit que vous alliez simplement en avoir beaucoup autour de vous. En tout cas, il y a le côté animal, pourquoi pas éventuellement le côté amical, hein, ça peut être aussi symbolique. En tout cas, vous allez être entouré de beaucoup d'animaux. Il y aura encore une fois le côté amical ou animal qui sera important pour vous. Et voyez comme ça sort bien, puisque j'ai aussi... Alors le côté de la nature, c'est vrai, mais le côté peut-être aussi d'un choix par rapport à un animal. Alors soit vous allez avoir envie justement d'adopter un animal, d'en recueillir un, de les aider, voilà, de les nourrir, voyez. Il y a quelque chose à faire par rapport à un animal. Voilà. Bon, c'est pas négatif, hein. OK? Les personnes qui ont choisi la bougie rouge cerise. Alors, il y a des histoires d'enfants. De soutenir les enfants, de s'amuser avec les enfants, les petits-enfants, hein. Et épreuve traversée, ben, certainement, justement, pour finir l'année en beauté, hein, pour passer à la nouvelle année. Donc, c'est aussi des belles cartes, voilà. Donc, passer du temps avec enfants, petits-enfants, pour les aider, justement, encore une fois, à franchir le cap de cette fin d'année. Donc, belles cartes. Les personnes qui ont choisi la bougie cerise. Alors, ça, c'est quelqu'un qui joue du violon. Donc, les questions de musique, les questions d'harmonie, peut-être les questions de nostalgie, les questions d'aide, de soutien. Donc, je pense qu'on va vous demander peut-être l'aide, de l'aide. Quelqu'un, justement, qui est un peu dans la nostalgie ou dans la solitude, qui est seul, qui est un peu triste. Et donc, soit ça peut être vous, qui avait envie d'avoir un petit peu une aide ou un soutien, ou soit c'est vous qui allez faire un petit peu office de guide, de soutien par rapport à une personne qui est dans la solitude, qui est un petit peu triste, on voit bien sur la carte, hein. Si vous voyez le visage de cette femme, de cette dame. Alors, enfin, moi, je pense que c'est une femme, mais bon, après tout, c'est pas marqué sur la carte non plus, hein. Ça peut être quelqu'un simplement qui a les cheveux longs. Enfin, bref. Donc, on va laisser le sexe de la personne, hein, on va dire une personne qui est un peu dans la solitude, qui est un peu dans la solitude, pardon. Et donc, ça peut être vous, ça peut ne pas être vous. En tout cas, et le côté aide ou soutien. Bon. Donc, ça, c'est, voilà, ce qui vous attend dans les prochains jours. Donc, vous voyez, c'est pas si mal, hein. Et donc, j'espère que ce petit tirage vous plaira. J'en ferai certainement par la suite si la formule vous intéresse. Et donc, j'en viens à mes annonces. Alors, la première concerne ma chaîne. Je pense que je vais faire une section membres parce que il y a quand même beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas forcément le temps de répondre, ou alors ça intéresse que certaines personnes spécifiquement, ou alors ce sont des thèmes qui sont quand même assez, on va dire, délicats. Donc, je vais faire une partie pour les personnes qui auront envie d'avoir des réponses spécifiques à leurs questions. Donc, ce sera une partie membre. Voilà, donc je ne sais pas, ce sera certainement une contribution de 2 euros par mois. Enfin, on va commencer avec un petit pécule, si ça vous intéresse. Donc, il y aura des avantages pour les personnes qui seront membres. Voilà. L'autre annonce, c'est en fait j'ai la joie de vous présenter la nouvelle chaîne, une nouvelle chaîne d'une de mes amies que je connais depuis très très longtemps, ça doit faire depuis plus de 15 ans, qui s'appelle Patty,
qui est médium, qui est cartomancienne, donc qui est voyante, donc qui se lance dans la voyance avec succès puisque j'ai regardé son premier tirage qui s'appelle Les semaines à venir. Je trouve que les cartes sont très bien sorties. Elle a un jeu qui est génial, qui est justement géopolitique. Donc je vous encourage vraiment à aller voir son tirage, à aller vous abonner à sa chaîne. Alors vous verrez, elle est encore un petit peu émue parce que c'est son premier tirage, mais je trouve que vraiment les cartes sont très bien sorties. Et en fait, Patty, c'est quelqu'un avec qui, eh bien, on s'était gentiment un peu pris le chou par rapport à la réélection de qui, vous savez, parce que elle le voyait repasser. Et moi, quand je bloquais des cas de fer, je dis, mais non, c'est pas possible, ça peut pas être lui, les gens le détestent. Et elle me disait, mais si, 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 moi, je le vois dans les cartes, il sort. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, elle avait eu raison et je lui rends justice. Donc, elle a des très bons ressentis. Et encore une fois, j'espère que vous serez très nombreux et nombreuses à vous abonner à sa chaîne. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Voilà. Donc, je vous encourage à aller la découvrir et à aller la soutenir. Voilà pour les annonces. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Sachez que j'ai été ravie de passer l'année en votre compagnie, pendant les lives, au cours des lives, parfois épiques, avec l'aspirateur qui se met en route ou alors quelqu'un qui sonne à la porte et qui m'apporte un nouveau jeu de cartes. J'ai vraiment été, en tout cas, été ravie de passer ce live avec vous. Il y en aura d'autres. Il y en aura un en fin d'année, très certainement. Ou en début d'année. On va voir. Et puis, merci d'être là, d'être fidèle, de continuer à regarder mes tirages. Je vous fais une grosse bise. Passez un très, très, très bon réveillon de Noël et un joyeux Noël. Moi, j'irai à la messe de Noël demain. Et comme d'habitude, je mettrai une bougie pour vous souhaiter. Bon, plein de bonnes choses, un bon courage, bonne santé, voilà, plein de belles choses. Je vous fais une grosse, grosse bise et à bientôt. Au revoir.